contrôle ou pas contrôle. Moi, je suis plutôt un tempérament passionné. Donc, il faut plutôt que je fasse attention sur scène à ne pas franchir tout d'un coup un cap où après je me dis « Ouh là là, je suis allée trop loin ». Et cette sensation sur scène, elle peut être un peu dangereuse. On peut prendre des risques quand le rôle n'est pas très difficile ou pas très long. Comme Lauretta, pour le coup, c'est un rôle dans lequel je peux vraiment prendre du risque parce qu'il ne peut rien m'arriver. À part Lauretta et Rinuccio qui sont un peu à part, sinon cette musique, c'est vrai que c'est toujours une musique de groupe et c'est très particulier. C'est la première fois que je fais partie d'un opéra où en fait il y a très peu d'air, c'est de l'ensemble et c'est pour ça que je pense aussi que l'écoute au départ elle est compliquée parce qu'on doit accepter que ça n'est pas comme dans souvent l'opéra, un air, on applaudit, une petite scène qui introduit un nouvel air, on va pouvoir réapplaudir, etc. Chez Puccini, ça c'est souvent le cas, les choses sont très liées entre elles et on ne peut pas savoir véritablement où on est. Et à la fois, ça c'est génial, et à la fois, des fois, ça peut se déstabiliser. La scène n'a jamais été quelque chose pour me prouver à moi-même quoi que ce soit. C'était là où je suis, vraiment un lieu d'être. Et c'est intéressant parce que Lauretta, c'est une jeune fille, et avec son chant, elle essaye de convaincre son père d'aider la famille de Rinuccio. Comme ça, ils vont pouvoir accepter leur mariage. Et c'est intéressant parce qu'elle est, c'est une toute jeune fille et qui utilise le chant comme manière de s'exprimer. C'est là où vraiment elle sait que c'est comme ça qu'elle va réussir à séduire. Et en fait, je pense que je devais aussi avoir un peu cette notion-là quand j'étais petite. C'était en fait, avec le chant, je sentais que c'était comme ça que j'arrivais à séduire le monde et que les choses extérieures s'ouvraient à moi.